maintenant qu'on a bien, au niveau de la moelle épinière, les divisions de la substance grise avec les différentes cornes, là, on va passer à la substance blanche. Et vous allez voir, bien que je vous ai montré les fonctions précédemment des différentes cornes de la substance grise, la substance blanche, ce que vous allez constater, c'est qu'on passe pas mal plus de temps, puis il y a pas mal plus de choses en fait. Hein, vous vous souvenez que la substance blanche, c'est des axones myélinisés qui assurent la communication entre l'organisme, donc le reste du corps, hein, exemple les membres, peu importe, et l'encéphale. Donc ça peut être une fonction sensitive. Dans ce cas-là, on a des axones avec myéline dans la substance blanche qui acheminent les influx nerveux, les informations électriques, vers l'encéphale. Puis si c'est moteur, ben, on va partir de l'encéphale au niveau des aires motrices et on a d'autres axones comme ça qui descendent dans la substance blanche pour acheminer les influx moteurs et faire contracter des muscles, exemple. Donc, ce que je vous demande déjà de visualiser, qu'on rentrera plus en détail aux prochaines diapositives, c'est d'imaginer plusieurs routes, un peu comme des autoroutes, hein? C'est des plusieurs voies différentes qui circulent comme ça dans la moelle épinière. Et un jour ou l'autre, on va toujours passer par un nerf spinal. Donc, dans la dernière capsule, on a vu les nerfs spinaux. Donc, on peut amener de l'information sensitive par la racine dorsale, mais une fois dans la substance blanche, là, ça va dépendre du type d'information qu'on achemine. Si tu as un toucher, de la douleur ou peu importe, et là, on pourra utiliser différentes voies, on va appeler ça des faisceaux détractus, au niveau de la substance blanche. Et si c'est une information motrice, même chose, on utilise d'autres voies, différentes, évidemment, de la voie sensitive au niveau de la moelle épinière, mais on va finir par ressortir. Par la racine ventrale du nerf. Alors, c'est très simple ce que je viens de dire, mais c'est souvent une confusion, en fait. Il faut vraiment... Souvent, vous étudiez, puis là, vous dites, OK, les nerfs spinaux, je contrôle ça. OK, la moelle épinière, c'est une autre case, mais c'est tout relié, hein? Donc, évidemment, la question aujourd'hui que je traite, c'est qu'une fois que je sors du nerf spinal ou que je veux rentrer, dépendamment de la situation, c'est les sensitives motrices, qu'est-ce qui se passe au niveau de la substance blanche? C'est quoi les voies, les axones qui s'offrent à moi? Okay? Donc ça, c'est un petit peu la question qu'on va résoudre. Mais avant d'aller là, on va justement diviser cette substance blanche avec des régions, toujours la même appellation, latérale pour côté, dorsale arrière, ventrale avant. Mais au lieu de parler de cornes, comme c'était le cas avec la substance grise, dans ce cas-ci, on va parler de cordons. Donc, il faut savoir que les cordons réfèrent à la substance blanche. Mais ça désigne des grandes régions, en fait. Donc, dorsale, toujours vers l'arrière, bien... En fait, j'ai toujours le côté droit et gauche. Hein. Côté droit, la moitié droite de la moelle épinière, moitié gauche ici. Donc, toujours une personne qui vous fait face. Mais en fait, cordon dorsal, ici, côté droit ou côté gauche en face. Sur le côté ici, j'ai latéral. Et en avant, ben, je vais avoir ventral, en fait. Donc, c'est ce qu'on vous montre ici, hein, avec la petite légende en vert. Et tout comme je l'ai déjà expliqué au niveau de la commissure grise, on a également une commissure blanche ici. Donc, dans ce cas-ci, c'est la même définition, hein? C'est des axones transversales, donc position horizontale. Comme je l'ai bien expliqué dans le cas de la substance grise, la commissure grise, on disait qu'on, contrairement au reste de la substance blanche, exemple, ou grise, peu importe, où on a des axones qui vont être verticales généralement pour informer l'encéphale ou redescendre, bien, dans ce cas-ci, on est dans l'autre sens, hein? Ça permet une communication droite et gauche. Et la seule différence, c'est la couleur. Donc, qu'on soit dans la commissure grise ou blanche, c'est toujours des axones transversales, donc qui va unir le côté droit au côté gauche de la moelle épinière. Donc, on n'est pas simplement dans la communication verticale, on peut passer d'un côté à l'autre, mais la différence entre la commissure grise et blanche, en termes de couleur, bien sûr, en termes d'anatomie, mais il faut savoir aussi qu'ici, c'est des axones sans myéline, alors qu'ici, comme c'est blanc, ça veut dire que c'est des axones qui sont bien protégés avec la myéline. C'est la seule différence, mais en termes de physiologie, c'est la même fonction, permettre la communication de part et d'autre de la moelle épinière. Et c'est juste ça pour l'instant. Là, maintenant, la question que je vous demande, c'est que dans ces différents cordons-là, qu'ils soient dorsales, ventrales ou latérales, on va avoir des groupes d'axones avec myéline qui vont un peu acheminer des informations nerveuses suite à différents stimuli. Et là, je vais dire quelque chose de faux. C'est juste une image pour t'aider. Donc, c'est pas vrai scientifiquement. Mais souvent, c'est abstrait, les faisceaux et les tractus dans la substance blanche, mais vous êtes très fort avec les nerfs spinaux. Et pourtant, c'est la même chose. Donc, ce que j'allais vous dire qui est une fausseté, c'est que les cordons ou les tractus dans la substance blanche de la moelle épinière, c'est un peu comme un nerf,
Hein? C'est un peu comme le nerf spinal. On a vu l'organisation d'un nerf déjà. Souvenez-vous, c'est un paquet d'axones qui sont attachés ensemble dans trois couches de tissu conjonctif. Donc, biologiquement parlant, je ne peux pas dire que la moelle épinière dans la substance blanche a le dénerve, parce qu'il n'y a pas les trois couches, il y a pas de, ce n'est pas nécessairement la même organisation, il y a des différences anatomiques qu'on ne voit pas dans mon cours. Mais, en termes d'idéologie, de concept, c'est la même chose. Je vais vous parler tantôt des faisceaux de Traxus, exemple, spinothalamique latéral, je vais vous expliquer leur fonction. Bien, cette voie-là, c'est un paquet d'axones regroupés ensemble, qui est exemple, je les mets n'importe où, là, c'est pas important pour tout de suite, mais mettons qu'ils seraient situés ici. Donc, quand j'ai un type de stimulus spécifique et que je génère des influx nerveux associés à ce faisceau-là, ou ce Traxus-là, je ferai la différence tantôt, bien là, on va utiliser cette voie-là. Mais à côté, j'ai une autre voie, un autre paquet d'axones qui va porter un autre nom. Ça pourrait être le cortico-spinal latéral. Lui, ça va être plutôt pour faire bouger les muscles de vos bras, de vos jambes. Donc, dans ce cas-ci, ben, si tu veux bouger le bras droit pour lever la main, poser une question, ben, on va utiliser ce faisceau-là, ce groupe-là. Si j'ai ici, ben, c'est pour autre chose. C'est peut-être associé au toucher, à la douleur, à la température. On verra tantôt les différents stimuli. Mais ce que je veux que tu visualises maintenant, pour pas que ça soit juste des mots qui se mélangent dans ta tête comme une grosse soupe, on sait pas trop ce que ça veut dire. Moi, ce que je veux, c'est que tu imagines, puis là, évidemment, je suis du côté droit, mais on a l'équivalent du côté gauche, c'est symétrique, comme ta main droite et ta main gauche. Donc, on a tout en double. Alors, ce que je veux que tu visualises, il y a plusieurs voies, mais il y en a 6 qui vont être à l'étude pour notre session. Okay? Les autres, on n'en parlera pas. Donc, les 6 voies que je vais te montrer sont distribuées comme ça dans la substance blanche, dans les différents cordons, positionnés à différents endroits. Et c'est comme 6 autoroutes. Ça ne veut pas dire que tu vas utiliser les 6 en même temps, mais ça veut dire que, selon la situation, je peux utiliser une ou deux, ou peu importe. Exemple, si tu ressens de la chaleur au niveau de la main droite, tu vas utiliser une voie particulière. Si tu as mal, ça peut être une autre voie. Si je te touche d'une telle manière, ça peut être une autre voie, ou une piqûre de moustique, peu importe. Puis si on touche avec un objet chaud ou froid, tu peux détecter les deux, donc on pourrait utiliser plusieurs voies. Donc ça dépend des situations. Mais tu as 6 possibilités. Il y en a 4 qui vont être sensitives, donc pour aller informer le cerveau, puis il y en a 2 qui vont être motrices. Et c'est tout. OK? Et essentiellement, je vais y revenir tantôt, mais je vais vous demander 2 choses. En fait, 3 choses. Délocaliser au niveau anatomique dans la moelle, de connaître leur fonction biologique, donc indirectement si on en brise une, ça va être quoi l'impact sur la personne, comme j'ai déjà fait par le passé avec d'autres sujets, et être capable de dessiner tous les trajets. Généralement, ces groupes d'axones dans la substance blanche, exemple, quand c'est une voie motrice, il y a 2 neurones qui vont être attachés ensemble à différents endroits, puis quand c'est sensitif, il y en a 3 d'habitude qui sont reliés ensemble à différents endroits. Ça va varier un petit peu selon la voie qui est impliquée. Donc, évidemment, là, il y a un petit peu de par cœur, puis c'est un peu plus mélangeant, mais d'habitude, je vous l'ai fait dessiner sur des trajets, là, vous allez voir tantôt, et juste à force de les dessiner, tout ça, ça rentre facilement, puis vous êtes capable de visualiser justement s'il y a une lésion à tel endroit, qu'est-ce que ça va faire. Okay? Donc, c'est là que je vais vous amener d'ici la fin de la capsule, et si éventuellement, après votre étude, puis après avoir fait les dessins, puis la lecture de cette capsule-là, vous y arrivez, ben c'est parfait, là. Ça va être le niveau que je vous demande pour l'examen. Bon, première des choses, cette diapo aussi est très importante, parce qu'elle résume tout ce que je vais dire jusqu'à la fin de la capsule. Okay? Donc, quand je vous parlais, là, n'oubliez pas, je suis dans la substance blanche, dans les différents cordons, et je vous disais tantôt qu'il y a 6 voies. OK? Et les 6 voies, on les divise en 4 sensitifs et 2 moteurs. Parfois, on va parler de faisceau, parfois, on va parler de tractus. Je vais vous expliquer une fois dans votre carrière d'étudiant la différence entre les deux, mais pour moi, c'est une nuance anatomique qui n'est pas tellement importante. Je vais vous dire qu'est-ce qui est vraiment important. Mais dans la vraie vie, là, scientifiquement parlant, il y a une petite nuance. En fait, les faisceaux, c'est que l'ensemble des faisceaux qui sont écrits ici, exemple gracile cuneiforme, ça veut dire que les neurones de ces faisceaux-là, ça inclut le corps cellulaire, les axones, les dendrites, toutes les neurones, donc tout l'ensemble des neurones. Il y a des parties de ces neurones-là qui peuvent se retrouver dans le SNP, donc le système nerveux périphérique, et également le système nerveux central. Quand on parle de tractus, exemple le spinothalamique latéral, ventral, ou les 2 corticospinaux ici, ils appartiennent, donc les neurones, axones, dendrites, toute la kit, les boutons terminaux, tout ça, c'est seulement présent dans le SNC. Donc ici, les faisceaux, on pourrait sortir de la moelle épinière et se connecter à l'extérieur.
Est-ce bien important de savoir cette nuance-là, puis que là, l'examen, vous êtes plus sûr que le Traxxus, c'est avec le S&P, juste S&P? Écoute, c'est tellement une nuance que vous ne vous souviendrez plus non plus quand vous allez travailler, donc je m'en fous, OK? Je vous l'ai expliqué une fois, mais je ne vous demanderai jamais ça à l'examen en ce qui me concerne. Ce que je vais vous demander, par contre, et ça, vous n'avez pas le choix, même quand vous allez travailler, je veux que vous vous souveniez que si vous voyez un jour dans votre carrière le terme faisceau Traxxus associé à ces quatre mots-là, immédiatement, votre premier réflexe, c'est de savoir que vous êtes au niveau de la moelle épinière. Là, je vais dire des choses évidentes, mais pour moi, c'est le même niveau. Si je vous dis hémorragie cérébrale au niveau d'une région spécifique du cerveau, bien, vous savez que cérébral, c'est cerveau, donc vous attendez qu'il y ait des dommages au niveau du cerveau. Si je vous dis qu'un nerf spinal de sectionné, maintenant, vous savez c'est où, un nerf raccroché par ses deux racines au niveau de la moelle épinière. Bien là, quand je vais vous parler de faisceau gracile ou de traxus corticospinal, vous devez, au même titre que les deux exemples faciles, savoir que c'est la moelle épinière qui est brisée et que ça va amener un impact, que je vais vous expliquer dans deux secondes. Okay, ça, c'est vraiment important pour moi, par contre. Même si vous ne faites pas de nuance entre les deux mots, c'est pas grave, vous savez que vous êtes dans la substance blanche de la moelle épinière, hein, ce qu'on a dit tantôt. Ça, c'est la première chose, c'est la base qui est importante. Maintenant, à l'examen, vous me parlez du traxus corticospinal, puis là, tu te trompes, tu te dis c'est le faisceau corticospinal, je n'enlèverai pas de points, c'est pas grave, mais tu dois savoir que c'est dans la moelle. Et là, ce que je vais vous présenter tantôt, je vais déjà résumer les fonctions des CCC vu qu'ils sont déjà là. Et on reviendra tantôt. Hein. Dans le fond, je vais vous donner les 6 fonctions déjà que je veux que tu notes dans ton cahier. Le gracile, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas tout de suite l'écrire, tu vas déjà avoir une idée, je vais te les expliquer. Et tantôt, je vais les reprendre un par un, puis on va les voir en détail. Puis ça va terminer la capsule. OK, donc premièrement, dans les faisceaux, il y a des faisceaux moteurs, mais ils ne sont pas à l'étude, donc on s'en fout un petit peu. Et là, ici, c'est distingué en faisceau tractus. C'est correct, mais c'est pas, d'un point de vue pédagogique, c'est pas une division que j'aime. Moi, je vais vous les diviser en sensitif ou en moteur, donc selon leur fonction, ce qui est beaucoup plus pratique pour vous. Okay? Donc, il y en a 4 sensitifs. Si je résume tout ça ici, là, il y a 4 faisceaux tractus sensitifs. Donc, fonction d'informer l'encéphale sur différentes situations. On a le gracile, on a le cuneiforme. Je sais que c'est des gros mots, mais plus vite que vous allez les apprendre, plus facile ça va devenir. Hein. Évidemment, il faut les savoir par cœur. Vous avez aussi, et là, ça c'est mélangeant parce qu'ils sonnent pareil, mais ils ne font pas la même chose. Okay? Donc, il faut bien les distinguer. Le spino-thalamique latéral. Et vous avez aussi le spino-thalamique ventral. Pourquoi on les appelle comme ça? Vous allez voir tantôt, en termes d'anatomie, c'est leur positionnement. Latéral sur le côté, ventral position avant. Ça fait toujours des mots bien, bien compliqués, mais dans le fond, il y a une logique à ça. Pour l'instant, ce que je veux, c'est que vous sachiez à peu près à quoi ils servent. Donc, je vais vous l'expliquer dans 2 minutes. Et j'en ai 2 moteurs. Donc, moteur, c'est les corticospinaux ici. Donc, les tractus corticospinaux soit latéral ou ventral. Encore là, il y a une petite nuance, fait qu'il faut faire attention. Donc, le cortico-spinal ventral. Et le deuxième et le dernier qui est à l'étude, cortico-spinal latéral. Et la bonne nouvelle, d'une certaine manière, même si c'est compliqué un petit peu, il y en a juste 6, donc vous connaissez déjà mes questions d'examen. Je ne peux pas aller en dehors de ça. Soit je te pose une question sur un des 4 sensitifs, ou sur un des 2 moteurs, ou j'en demande quelques-uns. Okay? Donc, ça va toujours être ça. La première chose que tu dois faire à ce stade-ci, c'est toujours, peu importe les questions que je te demande, peu importe que tu es stressé l'examen ou pas, première chose, tu respires par le nez, puis tu te dis, je suis-tu en situation sensitive ou motrice? Je suis en sensitif, je m'en vais à gauche, j'ai une chance sur 4 en fait. Je suis en moteur, j'ai une chance sur 2. Ça va niaiser ce que je viens de dire, mais il y a beaucoup d'étudiants qui étudient bien, qui aujourd'hui, ça va être clair, puis là, avec le temps, on oublie. Exemple que les sensitifs, j'ai dit plusieurs fois, et c'est pas pour rien, c'est une erreur que j'ai très souvent. On va informer, donc c'est une voie ascendante qui monte. Hein? On arrive par la nerf spinale, racine dorsale, et on monte vers le cerveau pour lui indiquer différentes sensations tactiles, de douleur, de température, peu importe. Quand c'est moteur, souvent, vous allez, sans réfléchir, vous allez dire « Ah oui, ben là, je pars de la racine ventrale, puis je monte vers le cerveau. » C'est faux. C'est dans l'autre sens. Ça, c'est vraiment une folie. Je pars du cerveau, je descends dans la moelle,
par un des deux corticospinales et je vais sortir par la racine ventrale du nerf, puis je vais aller contracter le muscle d'un bras, exemple, ou d'une jambe. Donc, c'est facile, mais par abus de langage, j'avais toujours l'impression que ça monte. Puis des fois, c'est juste la façon que vous écrivez. Bon, on monte pour informer le cerveau, ben pas si c'est en moteur. Donc, toujours bien distinguer si c'est en situation motrice ou sensitive. Et là, je vous explique rapidement, une phrase 2, qu'est-ce que ça fait. OK, exemple, le gracile, on va parler de proprioception, de toucher fin et discriminatif. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Très simple. Quand on parle de proprioception, c'est simplement la capacité de votre corps à savoir, si vous voulez, la position de vos membres, de votre corps dans l'espace. L'exemple classique, puis c'est pas tes yeux, hein? Je vous donne un exemple classique. Vous allez à la ronde, vous faites un manège. Le manège fait en sorte que vous avez la tête en bas, puis les pieds vers le ciel. Avec vos yeux, vous voyez bien que vous êtes mal orienté. Mais si je bande vos yeux, et vous n'avez aucune idée de la position du ciel ou de la terre, vous ne le voyez pas. Pourtant, vous allez savoir instinctivement que vous êtes à l'envers, vous n'êtes pas dans le bon positionnement. C'est ça la proprioception. C'est cette capacité à dire, vous en rendez plus ou moins compte de façon consciente, mais que mon bras, est-ce qu'il est positionné de façon verticale, horizontale, il est croche, pas croche, peu importe. Donc, c'est vrai pour vos membres, c'est vrai pour l'ensemble de votre corps. Et c'est ces faisceaux-là qui acheminent l'information. OK? Ça, c'est la première chose. Donc, le gracile, c'est ce qu'il fait. D'amener l'information, justement, associée au positionnement de votre corps dans l'espace 3D, de vos membres, etc. En plus, le faisceau gracile, il est impliqué dans le toucher fin et discriminatif. Ça veut dire que toutes les sensations de toucher ou tactile, instinctivement, vous êtes capable de savoir la différence. Et il y a deux aspects à ça. Le toucher fin et discriminatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, exemple, encore une fois, si je vous bande les yeux, vous êtes capable de savoir, exemple, un moustique qui vous pique sur le bras. Vous êtes capable de dire avec précision si c'est au niveau du poignet, du coude, de l'avant-bras, peu importe. Même si vous ne le voyez pas, vous le savez. Ça, c'est la capacité discriminative. C'est d'identifier la source du toucher avec précision. Puis quand on parle de toucher fin, ça réfère surtout à une distinction entre les différents types de toucher ou de sensations tactiles. Exemple, on vous pique pour une prise de sang, piqûre de moustique, quelqu'un vous prend le bras. Ce n'est pas le même genre de toucher. Et si je vous bande les yeux encore une fois, vous n'avez pas besoin de voir le stimulus, vous allez être capable d'identifier si vous n'avez pas de problème nerveux. Évidemment, quelqu'un qui a une lésion dans le gracile et qui perd cette information-là, ben, il ne sera peut-être pas capable de distinguer, c'est dur à croire, mais la différence entre un toucher avec une main et une piqûre. Okay? Ça se peut. Mais normalement, si vous êtes en santé, vous êtes capable de distinguer le type de sensation associée au toucher, donc sensation tactile, et vous êtes capable de distinguer, oui, ça ressemble à une piqûre, ça ressemble à des pattes d'insectes qui marchent ou à quelqu'un qui me touche avec ses doigts. C'est ça le toucher fin. Okay? Donc, toujours la même chose, la particularité, c'est que la gracile va s'occuper de tous ces types d'informations que je viens de vous faire écrire, mais en bas de la taille. Donc, ça veut dire les membres inférieurs. C'est-à-dire, à partir des hanches vers les pieds. Donc, si vous avez du toucher fin, vous marchez nu-pied sur un clou et vous sentez, donc ça fait pas mal parce que la douleur, c'est autre chose, mais vous sentez, je vais donner un autre exemple tout à l'heure, Martin, vous marchez sur des petits cailloux. Fait pas mal, mais vous sentez que c'est rugueux, c'est pas lisse. Comme c'est le pied, c'est le faisceau gracile qui va s'occuper de ça. Vous avez un moustique qui vous pique sur le genou, c'est en bas de la taille, c'est aussi le gracile. OK? Et le faisceau cuneiforme, lui, il fait exactement la même chose, mais pour les membres supérieurs. Donc, puis c'est pas juste les membres, ça peut être le ventre, peu importe, mais c'est en haut de la taille. C'est notre limite. Donc, le cuneiforme, ce que vous allez noter maintenant, c'est le faisceau, toujours dans la substance blanche de la moelle, qui va transporter les influx nerveux associés au toucher fin discriminatif, comme je l'expliquais tantôt. Même chose, proprioception, donc positionnement de vos bras dans l'espace, exemple. Mais cet ensemble de fonctions est identique, là, c'est la même chose que le gracile, sauf qu'il faut se souvenir que c'est simplement pour la moitié supérieure de votre corps. Donc, exemple, une piqûre de maringouin sur la main droite. Okay, donc, voilà. Là, je vais rouvrir une parenthèse, toujours pour faire des liens un petit peu avec ce qu'on a déjà étudié.
Là, vous m'apprenez souvent ça par cœur, gracile, cuniforme, les fonctions, c'est super, mais vous oubliez tout le reste. Mais il faut avoir une vision intégrée, hein? C'est la compétence, c'est une compétence du cours, ça. Une vision intégrée du corps humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'on enseigne depuis le début de la session, puisque je verrai les prochaines semaines, est toujours vrai. OK? Puis, je vais vous expliquer la légende. Là, j'exagère, mais ça va être ça pareil. J'ai la main, le bras, puis ici, c'est pas un bâton de hockey, là, c'est un pied avec une jambe mal faite. Okay? Cerveau, moelle épinière. Donc là, je suis exactement ici, dans la moelle épinière, avec mon faisceau gracile cuniforme. Mais souvenez-vous, tu as une sensation de moustique ou de toucher au niveau de la main, exemple. Là, il y a des récepteurs. On ne les a pas vus en détail, mais vous savez déjà qu'il y a des structures qui vont être capables de détecter différents stimuli, des récepteurs à la température, des récepteurs au toucher. D'ailleurs, les différents récepteurs associés au toucher, on va voir ça dans la prochaine séquence, la séquence 6. Donc, on va pousser plus loin. Mais pour l'instant, vous savez seulement qu'il y a un récepteur qui détecte, exemple, une piqûre de maringouin. Vous savez maintenant, avec la séquence 4, qu'une fois j'active un récepteur, on va générer des influx nerveux. J'en reviens pas là-dedans, mais vous avez vu potentiel gradué, PPSE, PPSI, canaux ligands, vol, vous savez tout ça. Donc, on fait une série d'influx nerveux. Avec la dernière capsule, vous avez vu quoi? Mais comme c'est du sensitif, hein, une sensation tactile au niveau de la main, on sait qu'on va arriver éventuellement par le nerf spinal et qu'on va passer par la racine dorsale. Et le lien avec aujourd'hui, ben là, tu as le choix, tu as 6 voies dans la moelle épinière, hein, dans la substance blanche. Donc, la question, c'est quelle voie je vais utiliser? Dans l'exemple que je viens de donner, comme c'est un toucher discriminatif sur le bras, donc je suis en haut de la taille, dans les 6 voies disponibles au niveau de la moelle épinière, je vais utiliser la voie ici qui s'appelle faisceau gracile. Et ce qui va arriver, ben là, le faisceau gracile va aller au cerveau et on va faire une connexion avec un autre neurones dans une autre région du cerveau. Ça sera la prochaine capsule. Quand je vais vous parler de l'encéphale, ben on va voir qu'il y a différentes régions impliquées dans différentes analyses. Donc, dans le cas du toucher, on va arriver dans une région du cerveau. C'est pas à retenir pour aujourd'hui. On verra ça dans la prochaine capsule qui s'appelle l'aire somesthésique. Et c'est comme ça que vous êtes intégré. Et quand on dit qu'il y a des maladies ou des accidents ou peu importe, là, ça va toujours bien compliqué. Ben, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Soit que j'ai un problème, une hémorragie cérébrale, tumeur du cerveau, donc dans le cerveau. Soit que j'ai un accident, j'ai une lésion au niveau du nerf ici, ou du nerf spinal, ou de la racine, ou dans la moelle épinière qui brise un des faisceaux, ou tous les faisceaux, tractus. Et je peux pas vous, il ne peut pas avoir d'autres choses. Fait que c'est compliqué et simple en même temps. Hein? On ne peut pas inventer d'autres matières. Donc, je voulais faire cette parenthèse-là pour que vous visualisiez un peu mieux, parce que ce n'est pas juste des mots, en fait. Et d'ailleurs, on va les dessiner tantôt, puis je vais vous montrer des belles figures du manuel qui va dessiner ça avec encore beaucoup plus de soin. Maintenant qu'on est toujours dans le sensitif, OK, vous avez compris pour gracile cuniforme. Ce que vous allez noter maintenant, c'est le faisceau spinothalamique latéral. Donc lui, c'est quoi sa job? Donc celui ici que je pointe présentement. Il y a deux mots clés pour moi, pour le latéral. Douleur, c'est ça, c'est correct. Donc, douleur pour le latéral et température. Juste deux mots, pas besoin d'écrire un roman. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'aussitôt que vous allez avoir une sensation, un stimulus qui fait mal, ça peut être une douleur sourde, légère, grave, pas grave, c'est pas grave, intense, pas intense, mais aussitôt qu'il y a une certaine douleur, c'est le spinothalamique latéral qui va transporter les influx nerveux au bon endroit dans le cerveau pour qu'il puisse analyser le type de douleur. Température, même chose, ça veut dire chaud, froid. Voilà, donc toutes les informations associées aux thermorécepteurs, les récepteurs qui sont sensibles aux variations de température, ben, on va utiliser la voie spinothalamique latérale. Donc des fois, ça vous étonne un peu, on prend la même voie pour deux signaux complètement différents, effectivement, parce qu'on va se brancher dans la même région de l'encéphale, mais évidemment, cette région spécifique qui analyse la douleur et la température, c'est pas les mêmes neurones qui font le travail. Donc dans cette région spécifique qu'on verra à la prochaine capsule, il y a des neurones dédiés à l'analyse de la douleur, puis j'en ai d'autres juste à côté, très proches, les voisins, qui sont dédiés à l'analyse de la température. Mais au moins, pour l'instant, si je vous donne une situation qui est associée avec la douleur et la température, instinctivement, vous devez savoir qu'on va utiliser pas le gracile, pas le cuniforme, le spinothalamique latéral. Donc, c'est toujours de choisir la bonne voie. Et c'est vraiment, ceux qui ont de la difficulté, je n'ai peut-être un ou deux qui ne sont pas clairs, là, c'est normal.
Donnez-vous un exemple d'autoroute. Là. Tu sais, Québec, mettons la ville de Québec, c'est le cerveau. Ben, il y a plusieurs chemins pour aller à Québec. Hein. Tu peux prendre l'autoroute 40, tu peux prendre l'autoroute 20, tu peux prendre des chemins de brousse, peu importe. L'idée, c'est de se rendre à la bonne destination. L'idée, c'est que les sensitifs doivent se rendre à la bonne destination, dans ce cas-ci, le cerveau. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu vas prendre la 40 au lieu de la 20? Qu'est-ce qui fait ton choix? Hein? Tu ne vas pas prendre toutes les routes en même temps. Ben, c'est la même chose. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre la voie selon le type de stimulus. Toucher fin en bas de la taille, gracile. Toucher fin en haut de la taille, bras, mettons. Ah, cuniforme. J'ai mal ou j'ai chaud ou j'ai froid, spinothalamique latérale. Et la dernière voie sensitive à l'étude, c'est le spinothalamique ventral. Donc, il faut bien le distinguer. On ne peut pas le mélanger avec le latéral. Lui, il s'occupe du toucher aussi. On va voir éventuellement que le toucher, c'est un sens extrêmement complexe, en fait. C'est pour ça que ça implique beaucoup de choses. Et le toucher grossier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un toucher qui n'est pas... L'analyse, elle est grossière. Ça veut dire que c'est... Pardonnez-moi l'expression, là, c'est comme en anglais, mais c'est comme rough. Okay? Il n'y a pas de raffinement. C'est une première analyse, mais pas très, très poussée. Le toucher, il y a toujours comme... Ça sonne fraction de seconde, mais l'analyse du toucher se fait comme en deux étapes, souvent, deux, trois étapes. Enfin, on verra ça plus en étudiant l'encéphale. On va, entre autres, faire comme une première analyse avec certaines structures du cerveau qui fait comme une première impression grossière qu'on ne sait pas trop c'est quoi, mais qu'on a déjà une première impression. Et ensuite, on va raffiner notre analyse, notre jugement, avec une analyse plus fine. Et ça fait en sorte que les deux... Il y a comme deux sortes de voies nerveuses au niveau de la moelle épinière. Soit que je prends le tractus spinothalamique ventral. En fait, il est pas mal toujours impliqué quand il y a une situation de toucher. Mais ensuite, je vais prendre le gracile cuniforme selon l'endroit du corps pour le toucher fin. Alors, je vais donner un exemple qui est un peu grossière, là, qui n'est pas tout à fait vrai scientifiquement, mais c'est pour vous aider un petit peu à comprendre. Imaginez-vous que vous avez deux situations où vous utilisez votre main. Okay? Mettons la situation A où vous avez, je sais pas moi, une surface rugueuse je sais pas, c'est du papier sablé, exemple, okay, pour sabler. Puis à côté, vous touchez une pomme. Okay? Le toucher grossier qui implique le spinothalamique ventral, lui, il va cheminer les influx nerveux au toucher grossier à première impression. Donc, papier sablé, déjà, même si je vous bande les yeux, vous allez savoir, bon, c'est rude, la pomme est lisse. C'est ça, une première impression. Vous n'êtes pas capable de me dire, de reconnaître avec vos doigts, votre toucher, que c'est une pomme ou un papier sablé, mais vous sentez une première impression, un rugueux, plus mou, l'autre plus dur, plus lisse. Okay, ça, c'est une première impression. C'est comme la première analyse grossière. Par la suite, vous allez... Poussez votre analyse en une deuxième étape, même si ça se fait une fraction de seconde. Et là, vous allez ressentir, exemple, vous allez pousser votre analyse plus loin. Donc, vous allez être capable de dire, ah oui, ça, c'est une pomme, ça, c'est un papier sablé. Donc, pour le toucher fin, on est capable d'analyser avec précision. C'est une piqûre de maringouin, une prise de sang, etc., comme je disais tantôt. Mais le toucher grossier, c'est comme une première impression. Et là, ça devient un test de lecture dans les travaux, exercices ou examens. Si je vous dis, exemple, vous voyez une pomme, là, ça implique les yeux, ça implique le nerf optique. C'est une autre histoire, c'est des nerfs crâniens qu'on étudiera plus tard, avec le sens de la vision. Mais si je vous dis, vous avez les yeux bandés et vous touchez une pomme et vous la reconnaissez avec la main, là, c'est pas le sens de la vue, c'est le sens du toucher. Donc là, je pars d'un récepteur tactile associé au toucher au niveau de la main. Je me passe par un nerf spinal, et quand j'arrive dans la moelle, ben là, le toucher grossier, oui, la première impression, c'est spinothalamique ventrale, mais aussitôt, je viens pour distinguer, puis je dis, oui, c'est une pomme, puis je reconnais qu'elle est lisse, et tout ça, c'est une pomme avec mes mains, juste avec le sens touché. Ben, comme c'est la main, c'est cuniforme, toucher fin en haut de la taille. Okay? Donc, c'est la logique que vous devez appliquer quand on va parler de ces faisceaux-là. Les deux moteurs sont plus simples, mais il ne faut pas les mélanger. Donc, cortico-spinal ventral et le latéral, ben, on part du sens inverse. Donc, on va partir des aires motrices dans le cerveau, qu'on va étudier en détail plus tard, qui sont responsables, en fait, de générer des influx nerveux qui vont être responsables de contracter différents muscles de votre corps. Ce que je vais dire n'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a des exceptions, puis c'est pas aussi marqué que ce que je vais dire, mais ça va être suffisant pour le cours. OK?
Okay? Disons que je n'irai pas plus loin que ce que je vais dire. Donc, le corticospinal latéral, ça veut dire côté, dans bien des cas, pas toujours, mais dans bien des cas, le corticospinal va s'occuper des muscles associés aux membres. Donc, si tu veux contracter les muscles associés à tes jambes et tes bras, mais là, on va utiliser le corticospinal latéral. Donc, ça, c'est à noter, évidemment, dans votre cahier. Maintenant, si tu veux plier le dos, si tu veux bouger le torse, OK, exemple, donc on est plus dans des muscles de type axiaux, on va parler de corticospinal ventral. Donc, le dos, ventre, tronc, peu importe. Tout ce qui n'est pas des membres, en fait. C'est le niveau que je te demande pour l'examen. C'est suffisant. Donc, si le corticolatéral brise, ben, on s'attend que, ça dépend de la hauteur, là, mais un bras ou une jambe pourrait être affecté, on pourrait être paralysé. Donc, ce n'est pas juste au niveau des racines ventrales, ce n'est pas juste au niveau du muscle qu'on peut avoir un problème. On pourrait aussi avoir un problème au niveau de la moelle si on implique une cassure au niveau du corticospinal latéral. Mais je rouvre une parenthèse que vous pouvez oublier après, c'est juste pour votre culture. Les gens qui vont pousser plus leur lecture, qui vont vouloir aller plus loin que mon cours et tout, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tout à fait exact, en tout cas, pas toujours, parce que dans votre corps, on a plus de 100 muscles. Ça se peut-tu que le corticospinal, à un moment donné, latéral, s'occupe d'un muscle qui n'est pas nécessairement associé aux bras ou aux jambes? Bien sûr que oui, puis ça peut aller dans les deux sens. Donc, on n'apprendra pas 600 muscles, puis on n'apprendra pas tous les exceptions et tout ça. Bien sûr que ce n'est pas pertinent. Fait. C'est une idée générale, mais il y a aussi du cas par cas. Mais de façon générale, c'est pas trop faux de dire ce que je viens de dire, et c'est le niveau que j'avais vous demandé pour l'examen de toute manière. OK? Donc, corticospinal latéral, surtout associé aux muscles des membres, et pour le ventral, mais c'est les autres, exemple, au niveau du tronc, du dos, exemple. Cette figure est particulièrement importante. Donc, on va regarder déjà, dans un premier temps, un peu qu'est-ce que ça veut dire. Okay. Il y a des choses qui ne sont pas trop claires, qui vont être nouveaux, ça va être ardu un peu, mais vous allez voir, avant la fin de la capsule, on va reprendre ça, on va les redessiner. Là, il y a comme deux exemples parmi les six faisceaux tractus, mais on va tous les refaire, nous, un par un, les six, puis là, ça va devenir beaucoup plus clair. Donc, il y a plusieurs éléments sur cette figure-là qui vont être présentés dans les prochaines diapos. Donc, ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout, on va revoir ça plusieurs fois, en fait, jusqu'à temps que ça soit clair. Mais déjà, pour avoir une idée, OK, donc, vous savez maintenant clairement qu'il y a une voie sensitive motrice. Il y a une situation ici où la dame tient une cuillère dans sa main gauche, et elle, en cuisinant, elle se brûle ici le doigt. Okay? Donc, il y a une sensation de douleur. Ici, avec la cuillère, c'est plus une sensation de toucher fin, discriminatif. Je suis capable de distinguer la cuillère dans ma main. C'est possible qu'elle veuille retirer sa main parce que ça fait mal. Okay? Et là, il faut faire très attention. J'aime pas beaucoup cet exemple-là parce que ça confond les étudiants avec une réponse réflexe. Il n'a pas de réponse réflexe ici. Si j'avais été l'auteur du livre, j'aurais pris un autre exemple. Là, on a l'impression que la madame, se met la main sur le feu, elle se brûle et elle retire automatiquement. Ça, c'est une réponse réflexe. C'est complètement autre chose. Une réponse réflexe, on verra ça plus tard, mais en gros, c'est une réponse involontaire qui implique uniquement la moelle épinière. C'est un réflexe de retrait ici. Le cerveau n'est pas impliqué, donc ça fait une réponse encore plus rapide. Mais là, ici, on parle des corticospinales latéraux pour justement décider. Donc, si tu décides, c'est volontaire. J'aurais pu décider de garder la main là. C'est donc un geste volontaire. Ici, il faut faire très attention, puis ça mène une grosse confusion. Alors, l'exemple, là, je vais le pousser plus loin que votre manuel. C'est une dame qui touche la poignée de sa poire, qui est chaude, mais tolérable. Elle pourrait dire « Oh, je la tolère 3 secondes juste pour la déplacer de rond, je ne prends pas de mitaine, rien. » Ce n'est pas une réponse réflexe. Elle peut la toffer, elle peut endurer. Mais ça y tente pas. « Oh non, je décide d'enlever ma main et d'aller chercher la mitaine. » Ok, donc c'est un choix ici volontaire, donc ça implique le cerveau, les aires motrices, les deux faisceaux corticospinaux. Si ça avait été une réponse réflexe, ça ne passe pas par ces tractus ou ces faisceaux-là. C'est une autre histoire. Ce n'est pas à retenir aujourd'hui, mais on passe par un nerf spinal directement dans la substance grise, puis on ressort immédiatement. C'est nerf spinal, moelle, on repart. C'est le centre de contrôle, ce n'est pas les aires motrices du cerveau, c'est la moelle épinière. Puis ça, tu ne peux pas contrôler ça. Ça va lever tout seul. Je te donne un petit coup de marteau sur le genou. Le réflexe patellaire fait en sorte que ta jambe va lever même si tu ne veux pas. Je peux te demander, lève ta jambe. Là, tu décides, je l'écoute ou je ne l'écoute pas. Ça, on parle du cerveau, c'est volontaire. Mais si c'est le réflexe patellaire que tu as vu déjà, peut-être, avec un médecin qui teste ton réflexe avec un petit coup de marteau sur le genou,
Quand même bien que tu ne veux pas le lever, il va lever tout seul ton genou. C'est une réponse réflexe qui implique la moelle épinière, c'est autre chose. Okay? Donc, ici, ce n'est pas un réflexe, on oublie ça. Maintenant que tu sais ça, vous savez qu'il y a une voie sensitive ou motrice. Donc, là, ici, déjà, si vous avez bien compris, ben, je vous dis, mettons, la situation, quel faisceau dans la moelle épinière va être impliqué, le fait de tenir une cuillère dans sa main. OK, tenir une cuillère dans sa main, elle le sent la cuillère au niveau de ses doigts, c'est le toucher fin, elle peut l'analyser et tout. Donc, dans ce cas-ci, toucher fin discriminatif, la main est en haut du corps, de la taille, pardon. Donc, on va parler ici du faisceau cuniforme. La douleur, température, donc c'est chaud, exemple, le rouge ici fait mal, ça va être détecté par quoi? Ben, on a vu tantôt que c'était le spinothalamique latéral. Donc, on sait déjà que dans cette situation-là, j'ai au moins deux faisceaux sensitifs au niveau de la moelle épinière qui vont être impliqués. Et si elle décide de retirer la main, comme c'est illustré ici, on voit qu'elle lâche la poignée, elle décide, donc on part de l'air motrice ici, et on va utiliser le cortico-spinal latéral, parce qu'on a vu tantôt que la latérale s'occupait des bras et des jambes, pour faire contracter les muscles. Okay? Donc déjà, ça révise un petit peu ce que vous savez. Qu'est-ce qu'on ajoute comme information? Bien, là, vous voyez un peu plus comment tout ça s'assemble. Okay? Donc ici, on reconnaît évidemment l'encéphale, donc l'équivalent d'ici, le cerveau. Ici, on montre en fait une tranche de la moelle épinière. Et la même chose ici, on reconnaît les nerfs spinaux à différentes hauteurs, le nerf spinal, racine dorsale avec le ganglion aussi spinal, racine ventrale, donc on se souvient, dorsale, la racine c'est sensitive, la racine ventrale pour moteur. Si je parle d'une situation sensitive, exemple le toucher ici, au niveau de la cuillère, bien, c'est toujours la même chose. Donc j'ai des récepteurs que je fais sous forme de X, je m'en viens par un nerf, éventuellement le nerf spinal, on s'en vient comme ça par la racine dorsale. Et une fois ici, je vais prendre la substance blanche. Bien, là, c'est une des quatre voies qu'on a vues. Cuniforme, gracile, spinothalamique, latérale, ventrale. Comme c'est une cuillère dans la main gauche, on va prendre le cuniforme. Donc ici, ça serait l'équivalent du cuniforme. On monte comme ça et on vient informer le cerveau. Ce qui est plus nouveau, c'est que quand on est en voie sensitive, il y a trois neurones d'impliqués, toujours. Dans les quatre faisceaux que je vous ai parlé, il y a trois neurones. Ça vous surprend, vous avez toujours l'impression qu'il y en a des millions. Non, pour les fonctions sensitives, que ce soit toucher, douleur, température, il y a seulement trois neurones qui partent, exemple, de votre main jusqu'au cerveau. Donc, deux synapses, trois neurones. C'est vrai qu'une fois au cerveau, il peut y avoir des vingtaines, centaines de neurones qui vont être interreliés pour faire une analyse poussée. Mais la voie sensitive ou afférente d'information implique toujours trois neurones. Ça, c'est la première chose que je vous demande. Et si c'est une voie motrice, il y a seulement deux neurones. La deuxième chose que je vous demande, c'est que ces neurones sensitifs ou moteurs, ils ont un nom général qui les distingue. Il faut être familier avec ça. Donc, quand tu es en voie sensitive, le premier neurone, celui qui est accroché après le récepteur, donc celui que je pointe présentement, c'est le neurone, comme c'est le premier, le plus proche du stimulus, du récepteur, on dit que c'est le premier, on dit que c'est un neurone de premier ordre, ce qui est dessiné en mauve. Il va se connecter à différents endroits selon le faisceau de Traxus, on verra les détails tantôt. Il va se connecter avec un neurone de deuxième ordre. Okay? Donc ça, c'est celui du milieu. Dans ce cas-ci, il est en bleu ici. Donc on voit ici, hein, déjà on voit qu'il vient se connecter ici. Donc si on le fait ici, c'est ce que je pointe présentement. Donc je pars, par exemple, si on parle de la situation de douleur, je parle de récepteur qui détecte la douleur. S'en vient par le neurone de premier ordre. Là, c'est pas clair parce qu'on voit la dame de côté, mais imaginez-vous que là, à un moment donné, on va rentrer dans la moelle épinière par la racine ici dorsale du nerf spinal. Donc, là, une fois que je suis ici dans la moelle épinière, je continue comme ça, je vais monter vers la couche du haut jusqu'à temps que j'arrive dans une structure du cerveau. C'est pas ça pour tout de suite, mais on appelle ça le thalamus. Et une fois ici au niveau du thalamus, il y a un troisième neurone qui va amener l'information. Il est en vert ici. Donc, troisième ordre, troisième neurone qui va amener l'information dans la bonne région du cerveau, on appelle ça une aire cérébrale, AIRE. Donc, je ne me souviens pas si j'ai dit une ou un, là, c'est un aire. Hein? Donc, dans l'aire ici, qui est associé au toucher ou à la douleur, dépendamment de la situation. Maintenant, toujours situé comme ça, en trois...
en trois neurones différents. Donc, premier, deuxième, troisième. Et le troisième ordre, bien évidemment, c'est le dernier. Hein, c'est le dernier de la série. C'est celui qui se connecte avec la région spécialisée du cerveau. Quand vous êtes dans une réponse motrice, il y a juste deux neurones. Celui qui est le plus près du cerveau, qui est branché sur l'aire motrice et qui descend vers la moelle, on dit que c'est le neurone moteur, bien sûr, mais supérieur, parce qu'il est plus haut. C'est le premier de la gang. Et il va se connecter dans la moelle épinière avec un deuxième. Donc, dans le cas ici, on voit le premier supérieur descendre dans la moelle épinière. Donc, je parle de l'aire motrice, je descends. Et dans la substance grise ici, on a déjà vu ça, la corne ventrale, hein, ici, pour les mouvements volontaires, se connecte avec un deuxième neurone qui sort par la racine ventrale, sort dans le nerf spinal et éventuellement va aller contracter un muscle sur le membre. Par exemple, la main ici. Le deuxième, comme il est plus proche du muscle du membre, il est plus loin, il est plus bas. Donc, on va dire que c'est le neurone moteur inférieur. Puis ça, c'est un peu nouveau. Okay? Donc, c'est toujours le même circuit. Trois sensitifs, deux moteurs. Ça ne veut pas dire que dans mon arc de réponse nerveuse, les cinq sont toujours impliqués. Je pouvais, exemple, dans la situation de la dame ici, retire sa main, contraction musculaire, bien, dans ce cas-ci, il y a cinq neurones. Trois sensitifs, premier, deuxième, troisième ordre, informent le cerveau. Il y a une analyse qui se fait, donc on ne le voit pas ici, mais il pourrait avoir un interneurone ici qui amène l'information au neurone moteur ici. Et là, PPSE, faire entrer du sodium, comme vous avez déjà vu par les canaux ligands. C'est toujours les neurotransmetteurs, c'est la même histoire. Et dans ce cas-ci, bien là, on génère des influx nerveux dans le neurone moteur supérieur, l'inférieur, contraction des muscles, paf, on retire la main. Mais si la dame avait décidé, non, moi je ne contracte pas, bien, il y a juste trois neurones. Donc ici, on fait quoi? Des influx nerveux entre les trois neurones, premier, deuxième, troisième, mais arrivé ici, au lieu de faire des PPSE, on fait des PPSI, exemple, on rentre du clair, pas d'influx ici. C'est pour ça que la sommation que je vous expliquais en début de session devient importante. Et là, elle se dit, mettons, préfrontal, j'ai pas le temps d'aller chercher une serviette, une mitaine, ça me tente pas, je suis trop large, peu importe, je suis pressé, ben je décide de pas y aller. Donc ici, on envoie des influx qui fait relâcher des neurotransmetteurs qui rentrent du clair, si on veut faire un lien avec la séquence 4. Alors là, il n'y a pas d'influx, pas de stimulation des neurones moteurs, la main reste là, puis elle garde sa main sur la poire. Au contraire, elle se dit, alors, je ne vais pas prendre la chance de me brûler, ça serait niaiseux. Ben là, c'est plus les mêmes neurones. C'est un neurone qui relâche des neurotransmetteurs qui fait rentrer du sodium, assez pour avoir le moins 55 déclencher l'influx, ce que vous savez déjà. Donc là, on déclenche des influx ici dans les deux neurones, et là, on peut contracter. Donc tout ça est interrelié, bien évidemment. Là, je passe plus vite parce que j'ai en fait pas mal tout présenté ce qu'on va vous montrer sur ces voies-là, donc je vais voir sur ces diapos-là. Donc je vais focusser vraiment sur ce qui va être nouveau. Alors évidemment, là, souvent c'est plus difficile pour vous autres parce que c'est comme sur 5-6 diapos, mais avec l'image que je viens de vous montrer, tout est là, hein? Donc vous pouvez vous faire vos liens-là. On vous dit qu'une voie afférente ou sensitive, des fois on dit aussi ascendante, c'est-à-dire ascension, on monte. Donc on part du récepteur, puis on remonte jusqu'à l'encéphale, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc les voies sensitives, c'est vraiment, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on part des récepteurs jusqu'à l'encéphale pour l'informer sur les différents types de sensations, toucher fin, discriminatif, douleur, température, okay, ou toucher grossier, ce qu'on a vu tantôt. Il n'y a pas d'autres situations dans mon cours, donc c'est ceux-là. Les voies motrices, on dit que c'est descendante, donc ça c'est autre chose. On part des aires motrices, on descend vers les muscles, vers les membres, donc c'est pour faire bouger un membre généralement. Donc c'est dans les voies volontaires, donc c'est le système nerveux somatique en fait. Hein? On décide de courir, de pas courir, etc. On parle beaucoup de muscles dans mon cours, mais il y a des réponses qui peuvent faire sur les glandes aussi, mais on n'en parle pas tellement. Ce qui est bien important, c'est le mot décussation ici. Un drôle de mot, mais qu'on va utiliser beaucoup. Donc, il y a une particularité anatomique chez l'être humain qu'il faut savoir, qu'on appelle la décussation, et qui va avoir un impact aussi sur le plan médical. Et je vais vous expliquer ça. On va aller voir même en détail. Mais pour l'instant, simplement écrire la définition. C'est quoi une décussation? Pour la plupart des voies nerveuses que je vous ai présentées, il y a des exceptions. Mais la plupart des voies que nous, on va étudier, il y a un changement de sens. C'est qu'une décussation, tout simplement, c'est que les axones associés aux différents faisceaux ou tractus change de côté. C'est pas une définition très scientifique, mais c'est vraiment ça. Ça fait le travail, hein? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, une décussation, c'est quoi? C'est des axones qui changent de côté. Je suis pas le type d'enseignant qui demande définition par cœur, qu'est-ce qu'une décussation. Ça peut arriver de temps en temps, je fais une réponse ou deux, mais c'est pas ça que je veux, moi. Je veux que vous l'appliquiez à des situations pratiques. Et ça, on va le faire plus tard dans des exercices, mais si je dessine une moelle épinière,
cerveau. Si, mettons, ici, j'ai une main, puis j'en ai une autre de l'autre côté, évidemment. Côté droit ici, côté gauche ici. Donc, on peut diviser, évidemment, les deux hémisphères du cerveau, côté droit, côté gauche, mais la moelle épinière, vous l'avez vu aussi, je peux la diviser en deux. Là, les fissures, les faisceaux ou tractus, je ne sais pas, moi, corticospinaux, spinothalamique, tout ce qu'on a vu, gracile cuniforme, je ne l'ai pas dit clairement, mais il y en a toujours deux. J'ai un gracile droit, j'ai un gracile gauche. Donc, le toucher fin de la main droite, ça serait le cuniforme droit, qui pourrait passer ici avec les trois neurones, premier, deuxième, troisième ordre. Mais j'ai le double l'autre bord, j'ai le cuniforme gauche. OK? Et sans rentrer en détail encore, savoir où qui se branche tout ça, les trois neurones, si j'y vais comme ça, mettons, je passe par la racine dorsale, et là, je suis dans le cuniforme. À un certain endroit qu'on verra tantôt, le deuxième neurone, donc ici, c'est le neurone de premier ordre, le deuxième change de côté pour aller se brancher avec le troisième. C'est ça, la décussation. C'est qu'en fait, cet axone-là qui est arrivé, mettons, main droite, ce neurone de premier ordre qui est du côté droit, mais quand j'arrive et je me connecte sur le deuxième, remarquez que la décussation, parfois, se fait ailleurs. Ça pourrait être celui, le premier, qui change de côté. Ça dépend des situations. Mais dans la situation ici, exemple, la décussation, c'est qu'on change de côté. Et en changeant de côté, là, je m'en vais du côté gauche. Et c'est très important, parce que c'est la partie gauche du cerveau qui analyse l'information de votre côté droit. La main droite, jambe droite, moitié du corps droit. Le dos côté droit, c'est le côté gauche du cerveau qui analyse les sensations. Et là, on pourrait faire la même chose de l'autre côté. Donc, si ma main est gauche, ben, j'ai la même chose qu'uniforme pour le toucher fin, décussation, puis je m'en viens du côté droit. C'est pour ça que c'est important la décussation. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas bien important que tu saches par cœur la définition. Moi, je veux que tu l'appliques. Tu sais que c'est un changement de côté, super. Maintenant, c'est quoi l'implication? Ben, vous allez vite le voir. Si, là, je suis en sensitif. Mais le moteur, c'est la même chose. Exemple, pour bouger les bras et les jambes, le corticospinal latéral, mais c'est l'air motrice droit qui va s'occuper de faire contracter ta jambe gauche. Avec le corticospinal qui va décusser de l'autre côté. On va le voir plus tard quand je les ferai dessiner. Puis l'inverse, c'est l'air motrice gauche qui, grâce à la décussation, changement de côté, donc, du corticospinal latéral, qui va contrôler la jambe droite. Donc, le côté gauche du cerveau contrôle les contractions de ta jambe inverse, droite. Si je reviens en sensation, vous allez tout de suite comprendre. Si vous vous souvenez de votre cours, j'ai le droit de rêver, mais si vous vous souvenez de votre cours, quand ça fait 4-5 ans que vous travaillez, vous avez un patient qui a une hémorragie cérébrale dans l'air semi-esthésique. Hein? On vous dit que c'est dans tel lobe du cerveau. Donc là, on va les étudier un jour, mais maintenant, tu te souviens plus. Ah ouais, l'air semi-esthésique qui est là-dedans, qui est associé à beaucoup de choses, mais entre autres, la sensation de toucher. Puis là, tu sais que c'est du côté gauche que l'air semi-esthésique a été touché suite à l'hémorragie ou à une tumeur ou à un choc à la tête, peu importe, il y a plein de causes, mais ça ne fonctionne pas. Donc l'analyse ici, les neurones sont morts, ne se fait pas. Et toi, comme tu te souviens de tes cours de bio puis de la décussation, je l'ai dit, j'ai le droit de rêver. Mais si tu t'en souviens, regarde l'avantage que tu vas avoir. C'est que si le côté gauche ici ne marche pas, tu t'attends, à cause de la décussation, que c'est les sensations du côté droit de la personne qui ne fonctionnent pas. La jambe, avec le gracile, ou la main droite avec le cuniforme, les faisceaux fonctionnent. Hein, les faisceaux ici dans mon épinière fonctionnent, les nerfs spinaux fonctionnent. Ce n'est pas un problème de moelle ou de nerf, c'est l'analyse qui ne se fait pas ici. Et là, la personne, tu vas lui toucher la main, la jambe droite, elle ne sent pas ta main. Parce que c'est normal, c'est le côté gauche ici qui a eu un problème. Donc l'analyse ne se fait pas. Pourquoi c'est important? Parce que si tu comprends ta biologie et tu t'attends à ça, et là tu touches la main gauche de la personne, puis elle dit « je la sens pas », wow, là ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Mais si tu n'es pas allumé, puis tu dis « ah, ben c'est normal, il y a eu une hémorragie au cerveau », ah ouais, mais c'est du côté gauche, donc la main droite qui ne devrait pas détecter. Donc, ça se peut-tu qu'il y a d'autres problèmes côté droit ou dans le faisceau? Donc là, déjà, ça te met sur une piste, même si tu n'es pas médecin, ça allume une lumière, on dit « oh, il y a peut-être d'autres problèmes ». Tu vas en discuter avec tes collègues, peut-être que ça va t'allumer au lieu que ça passe dans le bar. Donc, pour moi, c'est toujours ça, c'est beaucoup plus important ça, la compréhension, comme ça, de ta biologie, que d'appliquer simplement, comme un perroquet, les définitions de changement de côté. Okay? C'est ça que je veux t'amener, moi, que tu comprennes. Puis si je donne un autre exemple, moteur,
Là, encore une fois, tu ne sais pas où se fait la décussation. Je vais te montrer ça en détail. Mais pour tout de suite, tu sais déjà le changement de côté. Fait que si je te dis l'aire motrice droite ou gauche, puis là, je vais bouger une jambe. Puis le même exemple, j'ai une hémorragie, une tumeur, maintenant dans l'aire motrice droite. Mais tu sais que le faisceau, ou le tractus ici, parce que c'est un corticospinal latéral, va changer de côté pour contrôler la jambe gauche. Donc, si l'aire motrice droite ne fonctionne pas, c'est la jambe gauche qui est paralysée à cause du changement comme ça. Et souvent, vous me demandez à quoi ça sert la décussation. Pourquoi, au point de vue évolutif, on a croisé nos voies comme ça? Il y a des voies nerveuses qui ne le sont pas. Je ne le sais pas. C'est un caprice de la nature, de l'évolution. Pour moi, il n'y a aucune espèce d'avantage biologique. On aurait pu avoir des voies qui descendent du même côté. Ce n'est pas grave tant que tout le monde est innervé. Je ne le sais pas. Pour un biologiste comme moi, en fait, ça n'a pas tellement d'importance que ça croise ou pas. Ça a une importance pour vous sur le plan médical, parce que dans le domaine médical, ben, vous n'avez pas du tout le même signe ou symptôme clinique. Donc, c'est pour ça que c'est important de la comprendre, la décussation, et de bien l'appliquer. Okay? Donc, je voulais ouvrir cette parenthèse-là pour que ça soit clair. Ça ne l'est peut-être pas, c'est pas grave. Plus qu'on va avancer dans la matière, plus que vous allez pratiquer ça, évidemment. Ça va devenir de plus en plus clair. Même chose ici, je passe plus vite parce qu'on les a vus en détail. Donc, vous avez les voies sensitives motrices, j'en ai parlé. Les trois neurones, premier, deuxième, troisième neurone, vous savez ça. Donc, je saute ça. Pas parce que c'est pas important, mais je l'ai déjà enseigné. Voie motrice, neurone supérieur, inférieur, donc ça va. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau ici. Là, ça me va. Maintenant, les voies sensitives ici, ben, on a déjà parlé. Je vous ai même donné les fonctions. Donc, gracile cuniforme, on se souvient, hein, toucher fin. Discriminatif, en haut pour cuniforme, en haut de la taille, membre supérieur, gracile en bas de la taille. Spinothalamique, ben, ventral ou latéral. Latéral, on avait dit quoi? On avait dit que c'était douleur, température, ventral, toucher grossier. Donc ça, vous savez. Les voies viscérales ne sont pas à l'étude, parce qu'évidemment, on pourrait avoir des voies nerveuses également impliquées pour sensitif ou moteur au niveau estomac, organes, tout ça. Donc on s'occupe juste du somatique dans votre cas, c'est plus important pour les soins. Et là, vous avez deux nouveaux termes qui est correct. C'est pas la fin du monde, mais quand vous voyez ça, c'est bien impressionnant. Le lémnisque médial, puis antéro-latéral, c'est des voies, c'est des régions, en fait. C'est des grandes régions, des grandes voies dans la moelle épinière qui peut contenir plusieurs faisceaux tractus. Exemple, la voie lémnisque médiale, c'est une voie nerveuse qui comporte deux types de faisceaux, gracile cuniforme. Dans l'autre voie, antérolatéral, c'est ventral et latéral. Donc, c'est juste que le positionnement de ces voies-là n'est pas à la même place dans la moelle épinière et on veut les identifier. Mais pour moi, c'est plus important, exemple, le cordon que je vous ai enseigné tantôt, si je vais être cohérent. Je ne vous ai jamais parlé du lémnisque, mais je vous ai parlé du cordon dorsal. Donc, déjà, vous savez qu'on est en position arrière, ce que je vous montre ici. Okay? Donc, c'est d'être capable de positionner en termes d'anatomie au bon endroit. Vous avez la substance blanche, la grise, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, de cette partie de la capsule. Donc, en couleur, vous avez les différents faisceaux tractus, en bleu, les sensitifs, en rouge, moteur. Puis évidemment, on vous montre ça ici du côté droit, mais vous avez le côté gauche aussi. Donc, on peut diviser ici la moelle en deux. Et ce que je vous montre ici, bien, vous avez l'équivalent. Okay? La voie lémnisque, pas tant important. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est le cordon. Okay? Donc, évidemment, je vous ai déjà parlé des cornes, hein, dans la substance grise, dorsale, ventrale. Mais là, je suis dans les cordons, comme j'ai dit tantôt. Donc, cordon dorsal, je suis dans la substance blanche vers l'arrière. Je vais avoir des cordons ventrales, donc je suis en avant ici. Alors, les deux qui sont ici, c'est le gracile et le cuniforme. On voit ici, là, c'est pas juste un axone, hein, c'est des milliers d'axones qui sont ici, mais tout ce groupe d'axones-là travaille ensemble pour amener des influx nerveux. Donc, les nerfs spinaux, par leur racine ventrale, vont venir se connecter ici, ou vont passer par ici, en fait. Et dépendamment si c'est en haut ou en bas du corps, on va utiliser une ou l'autre des voies. Donc, du côté droit, le faisceau gracile droit, c'est celui-ci que je colore. Donc, c'est celui qui est le plus près de l'axe central. J'aurai l'équivalent ici du côté gauche. Okay? Et celui qui est ici, c'est le cuniforme pour les bras, exemple. Donc, il est très près l'un de l'autre, sauf qu'il est un peu plus loin. Hein? La région médiale ici, lui, il va se pousser un peu plus loin. Mais les deux sont en position dorsale. Donc, les deux font partie de ce cordon dorsal. C'est de la substance blanche. Même si l'on colorait en bleu, c'est blanc, évidemment, comme je l'ai montré tantôt. Donc, vous êtes capable de les identifier. Là, vous savez leur fonction, donc physiologie, on l'a dit tantôt, et vous êtes capable de les positionner en termes d'anatomie. Les deux autres, sensitifs, donc on dit antéro-latéral, c'est-à-dire antéro en avant, latéral côté. Donc, il y en a qui sont sur le côté, d'autres
sur le devant. Donc, quand je dis la voie antérolatérale, c'est un terme général pour dire ben c'est la substance blanche, les voies nerveuses qui sont sur le côté versus avant. Et il peut y avoir plusieurs faisceaux de tractus dans la voie antérolatérale, mais nous, il y en a juste deux qui nous intéressent. Et là, vous allez comprendre pourquoi tantôt je vous disais spinothalamique latéral. Mais le spinothalamique latéral s'occupe des influx associés à douleur, température. Mais pourquoi on dit latéral? C'est parce qu'il est sur le côté. Donc, vous hésitez. Vous savez que gracile cuniforme est en arrière en position dorsale. Lequel des deux spinothalamiques est sur le côté? Bien, c'est le latéral. Donc, c'est le seul ici. Les autres ne sont pas à l'étude. Et le ventral est en position avant, donc dans la substance d'ange, dans la position avant, dans le cordon ventral, en fait. Ici, ça, c'est le cordon latéral, cordon dorsal, si on veut être cohérent avec le début de la capsule. Et dans ce cas-ci, ben, c'est le ventral. Pourquoi on dit spinothalamique ventral associé au toucher grossier? C'est vrai, mais ventral, parce que c'est en position avant. Donc, vous êtes capable de les distinguer assez facilement. C'est l'équivalent du côté gauche. Okay? Là, ici, on dirait qu'il n'est pas là. On le voit un petit bout. C'est parce qu'on a ressorti les deux moteurs ici, mais il est juste ici. Donc, on a l'équivalent. Hein? Même chose ici, dans ce coin-là. Et les deux moteurs, ben, on les verra quand je vous les montrerai sur le prochain schéma. Maintenant, pour régler le cas des sensitifs, et c'est là que les dessins vont devenir importants, tout ce tableau-là, OK, donc première des choses, la voie spino-cérébelleuse, ce n'est pas à l'étude, donc évidemment, vous n'allez pas étudier le tableau. Toute l'information qui est ici est importante, mais c'est très lourd et c'est très peu compréhensible d'apprendre un tableau comme ça par cœur. Okay? C'est pour ça qu'on vous fait faire des dessins. Vous allez voir, je vais vous montrer un dessin, tantôt c'est beaucoup plus simple. Mais là, on vous parle de la fonction. Là, normalement, vous n'avez plus besoin de ça. Je vous les ai fait écrire tantôt dans votre cahier de notes. Donc, toucher fin, discriminatif, en haut du corps et tout ça, ben, je ne dis pas que ce n'est pas important pour l'examen, mais on a déjà étudié ça, OK? Donc, vous le savez. Même chose pour ventral et latéral. Toucher grossier, douleur, température, j'aime pas ça ici parce qu'ils ne distinguent pas les deux. Vous autres, vous êtes capables de distinguer les deux. Donc, douleur, température pour le latéral. OK? Ça, c'est connu. OK? Donc, je ne barre pas pour dire que ce n'est pas important. C'est parce que vous le savez déjà. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est de savoir les trois neurones de troisième ordre. J'ai été très général, mais où c'est qu'ils sont situés? Le premier, là, selon la voie impliquée, sensitive ou motrice, le neurone de premier ordre ne se connecte pas toujours au même endroit. Il peut aller se connecter à différentes sections de la moelle ou de l'encéphale. Et c'est ça qu'il faut apprendre, OK, le bulbe, tout ça. Mais ça devient compliqué. Donc, en les dessinant, c'est très simple. Ça reste dans votre tête et vous allez être capable, après, d'appliquer, selon les types de lésions ou d'accidents que je vous parlerai, vous allez savoir exactement ce qui va se passer. Donc, oui, ça va être important. Puis la décussation, il va falloir savoir où c'est que ça croise. Très important parce que vous allez voir tantôt que si je fais une lésion en bas de la décussation ou en haut, ça ne sera pas le même impact médical, ce n'est pas le même côté qui va être impliqué, qui va être affecté. Donc, ce tableau-là, cet ensemble d'informations-là, je vais vous la montrer sur un dessin. Et si vous maîtrisez bien vos dessins, vous n'avez plus besoin de ça. Okay? Donc, moi, je préfère beaucoup de vous l'enseigner de cette manière-là. Donc, ici, dans votre manuel, on vous montre le faisceau gracile et cuniforme. Je vais vous les expliquer dans un premier temps, comment ça se connaît. Et éventuellement, on va les dessiner à la fin de la capsule. Donc, ce n'est pas juste de m'apprendre tout ça par cœur. Là, je vais vous le dire une fois, c'est un petit peu lourd, mais après, on va le dessiner au tableau. OK? Et au tableau sur des schémas. Puis là, en regardant ça, vous ferez vos dessins sur vos feuilles brouillons à la maison. Et après les avoir dessinés 4-5 fois, vous allez tout savoir ça par cœur. OK? Puis après, on pourra appliquer tout ça. Donc, il y a comme deux choses. Je vous le présente une fois ici avec le schéma du manuel à la page 132. Ensuite, on va mettre ça en application en les dessinant. Tu vas étudier ça, puis après, ça devrait être correct. Là, vous devrez être capable de vous débrouiller. Là, je suis avec le faisceau gracile et cuniforme. Donc, dans ce cas-ci, toucher fin en haut du corps, cuniforme, ou en bas du corps avec le gracile. On va toujours partir d'un récepteur. Là, vous ne les avez pas vraiment étudiés. On va les voir plus en détail éventuellement, mais je commence à en intégrer quelques-uns. Okay? Donc, mécanorécepteurs, c'est les récepteurs qui sont associés ou touchés, justement. Il y en a plusieurs sortes, on les verra dans la séquence 6, mais au moins que vous sachiez ça. Fait que si je te parle de thermorécepteur, c'est pour la douleur. Un nocicepteur, je vous en reparlerai plus tard, c'est pour la douleur. Thermo, c'est pour la température. Oh, je pense que j'ai fait une gaffe ici. Hein? Donc, je vais répéter juste pour être sûr. Thermorécepteur, thermothermique, c'est pour la température. Nocicepteur, on le verra tantôt, mais j'en parle déjà, c'est la douleur. Mécano, toucher. Donc, toutes les sensations sensitives, tactiles, peu importe. Quand je suis en sensitive, je pars toujours d'un récepteur. Il faut juste trouver le bon.
Ici, je suis dans le toucher fin discriminatif, donc c'est sûr que c'est un mécanorécepteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'active, crée des influx nerveux dans un nerf, s'en vient ici, et dans la partie mauve, là, c'est le neurone de premier ordre, donc le nerf spinal ici, avec sa racine dorsale, c'est toujours le neurone de premier ordre. Maintenant, si c'est exemple, le cuneiforme, OK, donc ça veut dire que j'ai touché au niveau de la main. Puis si c'est le gracile, c'est au niveau de la jambe. Mais c'est toujours des mécanorécepteurs et c'est toujours la même voie. Ça, c'est la bonne nouvelle. OK? Il n'y a pas de distinction. C'est tout, la décussation, c'est à la même place. Tout se fait à la même place. La seule différence, c'est que dans la moelle épinière, ben, je suis dans la voie gracile ou cuneiforme. Donc, on a vu tantôt qu'ils ne sont pas situés à la même place. Hein. On a vu, il y en avait deux comme ça. Ben, je peux être dans le gracile si je suis proche ici ou le cuneiforme. Maintenant, dans ce cas-ci, je vous disais qu'à partir du récepteur, je vais passer par le nerf spinal. La deuxième chose à savoir, ben, je prends-tu la racine dorsale ou ventrale? Comme c'est sensitif, on va utiliser la racine dorsale. Ça, il faut le voir. Et maintenant, il faut voir par quel faisceau je vais utiliser. J'en ai quatre. J'ai spinothalamique latérale, qui est sur le côté, ventrale sur le devant, gracile, cuneiforme. Donc, le gracile est en vert et en orange, j'ai le cuneiforme. Le gracile, je disais tantôt, c'est celui qui est le plus près du centre de la moelle. Donc, là, ça dépend. Si je suis au niveau de la main, comme la dame disait, elle faisait manger la cuillère, donc dans ce cas-ci, je prends le cuneiforme. Donc, j'avais deux choix, je prends la voie orange. Mais c'est toujours le neurone de la première ordre. Donc, la même chose, on monte comme ça. Et rendu au bulbe rachidien, OK, là, c'est peut-être pas clair, ça a de la séquence 5, partie 4, mais je montre quelque chose pour vous aider. Cerveau, moelle épinière. Entre la moelle épinière et le cerveau, ce que je fais en pointillé, j'ai le tronc cérébral. C'est une espèce de tige qui se trouve sous le cerveau et il y a trois sections dans le tronc cérébral. J'ai un B pour bulbe rachidien. Au centre du tronc, j'ai le pont et j'ai la mésencéphale comme ça ici. Donc, trois sections. Et quand vous regardez ce dessin-là, c'est pas clair pour vous autres. On dirait des tranches, hein, que c'est la même chose. Donc, avant que je revienne aux explications, évidemment, le cerveau, ça, vous êtes bon. Ici, vous devez faire attention, c'est pas clair. La rondelle qui est ici, c'est la moelle épinière, donc c'est l'équivalent sur mon dessin de tout ça. Mais regardez ce que je fais avec l'encadré en rouge. Ces sections-là, c'est le tronc cérébral. Tout ça ici, c'est l'équivalent de mes trois sections ici. Et en fait, ils en ont dessiné deux sur trois. Donc, on a le bulbe rachidien qui est la partie du bas. On voit pas le pont. Puis on a le mésencéphale, OK? Donc, l'idée ici, c'est que ce que je veux que vous voyez, là, c'est que je suis dans le tronc. Je suis dans la petite section à la base du cerveau, comme ça, qui va unir le cerveau à la moelle. OK? Juste pour qu'on se situe, dans la partie 4, la prochaine capsule, dans les prochaines capsules, en fait, on verra en détail les parties comme ça. Mais juste pour qu'on comprenne bien. Donc, je reprends. OK? Donc, on a vu, là, le premier neurone touché au niveau de la main. OK, parfait. Nerf spinal, récepteur, mécanorécepteur, nerf spinal, racine dorsale. Donc, il y a deux choix, il faut mettre la bonne. OK, parfait. Là, j'ai le choix entre le gracile et le cuneiforme. Comme c'est en haut du corps, on a dit qu'on passait par cuneiforme. Parfait, premier ordre. Et là, je m'en viens dans le bulbe rachidien. Donc, je suis au niveau du tronc ici. J'ai quitté la moelle et je rentre dans le tronc. La décussation, je l'ai écrit en rouge ici, se fait dans le bulbe. Ça, il faut savoir ça par cœur. C'est donc au niveau du tronc qu'on change de côté. Parfois, ça peut être au niveau de la moelle, ça va dépendre. Donc, dans ce cas-ci, on change de côté. Et donc, ici, c'est le côté droit. Ici, j'ai le côté gauche. Donc, le deuxième neurone, deuxième ordre en bleu, lui, il se connecte avec le premier, mais son axone va changer de côté et on passe du côté gauche. Et il va continuer comme ça, tout simplement, vers une région de l'encéphale qui s'appelle le thalamus. Ça aussi, on va voir ça dans la partie 4, dans les prochaines capsules, la séquence 5, hein, partie 4, séquence 5. Mais je vais quand même vous en parler. Il y a plein de structures au cerveau, mais le thalamus, lui, il y a plusieurs fonctions, mais la première, c'est de redistribuer au bon endroit les influx nerveux. Partie centrale du cerveau, qui, exemple, c'est, je sais pas, un influx associé à la vision, il envoie ça dans l'air visuel. Hop, c'est un toucher, il envoie ça dans l'air somesthésique.
C'est un autre type de sensation, ben, on l'envoie dans une autre région du cerveau. Donc, lui, il redistribue, il est très important, là, lui, il redistribue l'information aux bons endroits. Enfin, on peut imaginer des milliers d'axones puis de neurones comme ça qui s'en vont dans différents endroits du cerveau. Pour la situation qui m'intéresse, avec le cuneiforme touché fin en haut du corps, de la taille, pardon, ben, deuxième ordre, là, il se connecte avec le dernier neurone, le troisième ordre, qui est en vert, et le troisième, il est dans le thalamus en partie, donc il y a une synapse ici. Fait qu'une fois que j'ai changé de côté, décussation dans le bulbe, le deuxième s'en vient se connecter avec le dernier, le troisième ordre, et lui s'en va dans la bonne région, on appelle ça l'aire somesthésique. C'est une région du cerveau qui détecte plusieurs choses, entre autres le toucher. On verra aussi que la douleur, la température va finir là aussi. Mais pour l'instant, on est dans le toucher fin, donc on s'en va dans l'aire somesthésique. Et essentiellement, quand je vais vous faire dessiner à la fin de la capsule, bien, il faudrait être capable de me redessiner ça. Donc, si je suis dans une situation que ça implique le cuneiforme, de savoir exactement où c'est que je passe. Donc, dorsal, premier, or, dans le bulbe, je change de côté avec le deuxième ordre, thalamus, je m'en viens dans la somesthésique. Et une fois que vous êtes capable de le dessiner, comme je disais tantôt, vous n'avez plus besoin du tableau pour apprendre par cœur les millions de mots, vous êtes capable de comprendre ça. Et avec un dessin rapide, vous êtes même capable, pas encore pour tout de suite, mais si je vous dis, OK, problème dans l'air, comme l'hémorragie cérébrale de tantôt, vous êtes capable de me dire, ah ben, on ne peut plus analyser le toucher fin. Maintenant, je pose une question, mais je ne la résous pas pour tout de suite, mais c'est des questions qui restent en suspens pour plus tard. Si je coupe ici, je vous dis, OK, dans le faisceau cuneiforme, le neurone de deuxième ordre ne fonctionne pas, ça fait quoi? Quelle fonction ne marche pas? Température, toucher fin, niveau de la jambe ou du bras, droit ou gauche? Vous êtes capable de me dire ça éventuellement. Je l'ai déjà fait avec les racines dorsales ventrales, mais là, on va l'appliquer aux autres neurones. Okay? C'est là que je vais vous amener éventuellement. Mais pour l'instant, il faut juste être capable de redessiner ça, ce qu'on fera tantôt. La bonne nouvelle, c'est que si vous contrôlez cuneiforme, gracile, c'est exactement la même chose. Donc, même récepteur, c'est du toucher. C'est juste qu'on est sur les jambes au lieu des bras. Donc, évidemment, c'est le bas de la taille. Donc, mécanorécepteur, racine dorsale, même chose. OK? C'est juste que si je suis sur la jambe, ben on est plus bas dans moelle épinière. Mais entre les deux, c'est la seule différence sur le dessin ici. Ils n'ont pas pris la peine de le dessiner, mais la seule différence, c'est qu'au lieu de le faire passer par le cuneiforme, il faudrait le tasser vers la droite puis le faire passer dans le gracile ici. Sauf qu'il va aller pareil dans le bulbe, décussation avec le deuxième, mais évidemment, c'est une voie alternative. Fait qu'il faudrait imaginer un deuxième qui s'en vient ici, avec un troisième qui s'en vient aussi, là, il serait à côté, qui s'en vient aussi, au niveau de l'aire somesthésique. Okay? Mais évidemment, c'est d'autres neurones qui vont analyser l'information. Donc, une fois que tu en sais un, l'autre, c'est presque pareil. C'est juste la différence se fait ici. On prend l'autre faisceau. Je termine les sensitifs maintenant. Spinothalamique, latéral et ventral, ben, ça va dépendre de la situation. Donc, on parlait de douleur, température. Ça, c'est pour le latéral. Donc, les nocicepteurs. Ça, vous devez noter ça. C'est à chaque fois qu'il y a un stimulus de douleur. Donc, c'est lui qui va être impliqué. Et les thermorécepteurs, évidemment, c'est pour les variations de température, froide ou chaude. Mécanorécepteurs, c'est le toucher. Dans ce cas-ci, on va parler de toucher grossier. C'est les mêmes récepteurs, c'est juste pas la même voie. Donc, ça va être pour le spinothalamique ventral, si vous vous souvenez de tantôt. Dans les deux cas, le spinothalamique latéral et ventral, la grosse différence, c'est que la décussation, je l'ai encerclée ici, c'est pas dans le bulbe comme tantôt, dans le tronc, c'est direct dans la moelle. Donc, aussitôt qu'on arrive dans la moelle, on change de côté. OK? Donc, ça, c'est le gros changement. Et pour la suite, ben, c'est un peu la même logique. Donc, je fais le premier, le latéral. Si vous avez une sensation de douleur au niveau du pied, ou du bras, ça n'a pas d'importance. Hein? On ne distingue pas le haut ou le bas du corps pour la douleur, la température. C'est seulement pour le toucher fin. Donc, c'est toujours la même chose. Le latéral s'occupe de la douleur, température pour tout le corps. En haut, en bas de la taille, pas d'importance. Que ce soit la douleur ou la température, c'est le même chemin. OK? Donc, peu importe mon texte à l'examen, que je te donne une situation que tu as chaud, tu as froid, tu as mal, c'est la même voie. C'est juste les récepteurs qui changent. Si c'est chaud ou froid, tu parles d'un thermorécepteur. T'as mal, tu parles d'un nocicepteur. Peu importe le récepteur ou la situation impliquée, toujours la même chose. Premier ordre, donc nerf spinal. Racine dorsale, encore une fois, parce que c'est sensitif. Mais là, il est très court, le premier ordre. Pour les deux spinothalamiques, en fait, la latérale et le ventral, on se connecte immédiatement, comme ça, avec un neurone de deuxième ordre. OK?
Et le neurone de deuxième ordre, encore une fois, il fait la décussation. Donc, c'est au niveau de la moelle que je change le côté. Ça, c'est important de le savoir, elle est où la décussation. Okay? Parce que si je coupe le nerf ici, c'est un impact. Puis si je le coupe de l'autre côté, la décussation, ça va être un autre impact peut-être. On verra ça plus tard. Okay? Je ne vais pas rentrer trop en détail. Maintenant, on décusse de ce côté-ci. Deuxième ordre monte comme ça dans le tronc, donc le bulbe. Là, ici, on fait le pont. Hein. On se souvient, le tronc, la partie entre la moelle et le cerveau, j'ai le bulbe, le pont et le mésencéphale. Peu importe, l'axone est très long. Il vient se connecter toujours au même endroit. Le thalamus est toujours impliqué. Donc, il reçoit l'information sous forme de neurotransmetteurs du neurone de deuxième ordre. Et le troisième ordre vient se connecter dans d'autres neurones que tantôt, mais toujours dans l'aire synesthésique. Donc, l'aire synesthésique, elle est impliquée dans l'analyse du toucher, de la douleur, et de la température. C'est la même région du cerveau, mais cette aire synesthésique a des millions de neurones. Donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes neurones de l'aire synesthésique qui sont impliqués. Certains neurones sont spécialisés dans le toucher, les autres d'à côté avec la douleur, puis les autres avec la température, mais toujours dans la même région du cerveau. Et c'est tout. Donc, vous commencez à être plus familier avec celle-là. Et quand on vous parle de toucher grossier plus ventral, c'est exactement la même chose. La décussation, c'est au même endroit, mais évidemment, c'est du toucher. Donc là, je parle des mécanorécepteurs. C'est une première différence. Racine dorsale, ça va. Mais évidemment, quand je me connecte avec le deuxième ici, le deuxième ordre, oui, je décusse, comme tantôt, mais je ne prends pas la même voie. Là, je vais prendre une voie qui s'appelle spinothalamique ventrale. Donc, les deux tiges en bleu, ce n'est pas clair pour vous autres, mais dans le fond, c'est le spinothalamique latéral et ventral. C'est comme la 20 et la 40 pour aller à Québec que je disais tantôt. J'ai deux autoroutes, je prends laquelle? Mais ici, j'ai deux routes nerveuses, je prends laquelle? Ben, ça dépend. C'est une température puis une douleur, je prends la voie latérale. C'est du toucher grossier, je prends la voie ventrale. Mais pour le reste, à part du récepteur qui change et la voie dans la substance blanche, on continue toujours vers le thalamus et on va se connecter au même endroit. Donc, je viens de régler les quatre sensitifs. Il va me rester les deux motrices. Pour terminer la capsule, en fait, ça va être terminé. Ensuite, je vais vous tester. Je vais les redessiner à main nue. Et si vous êtes capable de mémoire de faire le même genre de dessin, ça ressemble beaucoup à ce que je viens d'expliquer, et de comprendre quand je brise quelque chose à tel endroit, ça a tel impact ou non, bien, vous êtes vraiment blindé pour l'examen. Je ne peux pas vous demander d'autres choses. Okay? Donc, c'est tout ce qui me reste à faire dans la capsule, en fait.